C'est un geste fort, une promesse tenue par le Premier ministre israélien. Ces camions transportent les restes de 91 Palestiniens qui ont perpétré de sanglants attentats contre Israël. Ils sont rendus à leurs familles qui résident en Cisjordanie. Les Palestiniens kamikazes sont considérés comme des martyrs par le peuple palestinien, comme Mohamed qui s'est fait exploser dans un bus à Jérusalem en 2004, sa femme témoigne. Cela change nos vies, le corps de mon mari n'est plus entre les mains des Israéliens. Maintenant, nous saurons où il est enterré et nous pourrons aller sur son tombeau quand nous le souhaiterons. Je n'ai jamais vraiment connu mon père, dit Ibrahim, j'avais seulement 2 ans quand il est mort. Une cérémonie pour le retour des corps aura lieu dans la journée à Ramallah.